Plus rien ne marche dans ta vie, social comme amoureux. Tout ce que tu essaies d'entreprendre, tout ce que tu essaies de faire comme projet ne finit pas, n'aboutit pas, je veux dire, pardon. T'as que des promesses non tenues. La haine, des jalousies gratuites, des problèmes constants, des accusations de nulle part, qui tombent de nulle part. T'as plus de force pour te défendre. Oui, t'as plus de force. Tu sens que tu es perdu. Pardon. Tu sais plus quoi faire. Pas de travail. Rien. Pas de travail. En affaires, rien ne marche. En amour, rien ne marche. Les études, le mariage, le voyage, le commerce, rien ne fonctionne dans ta vie. Tu te sens totalement perdu. Stop. Je dis stop. Stop. Bonjour mes amours. Bienvenue une fois de plus où nul n'a le droit d'être heureux toute seule. Avant de partager ceci avec vous, je vous invite à vous abonner, liker, partager massivement cette vidéo si car d'autres personnes en ont besoin. Nous allons faire un bain pour débloquer tous les mauvais sorts dans notre vie et avoir que du positif. Je dis bien un bain de déblocage pour tous les mauvais sorts et avoir, donc attirer que du positif dans tous les sens, le positif dans tous les sens dans notre vie. Nous aurons que du positif. Vous m'avez entendu? Ce bain-ci est vraiment puissant. C'est un bain de haute puissance, je vous le dis. De toutes les façons, faites-le et vous allez venir me laisser les commentaires. Stop! Libérez-vous de ce poids. Libérez-vous de toute cette malédiction. Alors, vous allez prendre une casserole comme ceci, avec 3 ou 4 litres d'eau, 2 litres d'eau, comme vous voulez, d'accord? Vous allez laisser bouillir. Comme vous avez vu là, mon eau est déjà en train de bouillir. Dans cette eau-là, vous allez venir tout simplement ajouter une bonne poignée de menthe, que ce soit la menthe fraîche ou la menthe sèche, peu importe. Vous allez venir ajouter à l'intérieur de votre eau bouillante comme ceci. Veuillez bien utiliser toujours les ustensiles en bois, comme vous voyez là, les matériels en bois, pour mélanger vos produits, d'accord? Ensuite, vous allez venir ajouter soit du sirop, d'accord? N'importe quel sirop que vous allez trouver, vous allez rajouter du sirop. Ou encore du miel pur. Voilà, j'ai mon miel pur d'Afrique, d'accord, qui vient de, d'Afrique. Vous voyez le bouchon Dinocotai. Donc, je vais venir ajouter une bonne quantité de miel comme ceci, d'accord. Voilà mon miel pur. Une fois ajouté le miel, vous allez venir baisser tout simplement le feu et laissez bouillir votre potion pendant 8 minutes. Baissez le feu, vous laissez bouillir pendant 8 minutes. Et après les 8 minutes, lorsqu'elle serait prête, vous allez arrêter le feu et laisser refroidir. Donc tiédir, pas refroidir totalement. Vous allez laisser tiédir. Lorsqu'elle est tiède, vous allez prendre votre bassine. Donc, c'est un exemple. Je prends mon assiette blanche. Vous allez prendre une bassine blanche.
comme ceci, ou votre seau blanc, d'accord. Vous allez venir ajouter à l'intérieur soit du sel d'Himalaya, d'accord. Le sel d'Himalaya, elle est rose, soit du sel d'Himalaya, soit du sel de mer, d'accord. Un bon poignet dans votre seau, vous allez ajouter dans votre seau ou dans votre bassin, d'accord. Et ensuite, vous allez transverser votre liquide à l'intérieur. Vous allez transverser votre liquide à l'intérieur. Une fois fait, vous iriez dans votre salle de bain ou dans votre toilette ou là où vous vous lavez, d'accord. Vous allez allumer votre bougie blanche. Vous allez allumer votre bougie blanche. Vous allez la déposer, d'accord, pour avoir la tranquillité. Pourquoi le blanc? Le blanc, c'est la signe de la puresse. Nous sommes en train de faire un bain de déblocage, un bain pour retirer tout ce qui est de mauvais, tout ce qui est de mauvais sur nous. Donc, nous allons utiliser donc tout ce qui est blanc avec nous. Donc, nous allons allumer notre bougie et ensuite nous allons nous mettre en signe, je vais dire en position de tranquillité. Il est très important que lorsque nous voulons faire notre bain, nous soyons tranquilles. J'ai baissé le feu là pour laisser mijoter parce que je vais pas attendre jusqu'à ce que elle termine de bouillir pour vous montrer la vidéo. Donc je vous explique tout simplement, d'accord. Lorsqu'elle est prête, elle aurait une autre couleur plus jaunâtre que celle-ci. Donc il faut attendre bouillir pendant 8 minutes, comme j'ai dit, 8 à 10 minutes, voilà. Donc aux toilettes, une fois aux toilettes, comme j'expliquais tantôt, votre bougie déjà allumée, vous mettez en confiance, dans la tranquillité, vous soyez tranquille, positif, vous mettez relax et tout et tout. Vous allez commencer à vous laver. Avant de commencer à vous laver, prenez la peine de remercier le Seigneur, comme je dis toujours. Remerciez le Seigneur pour tout ce qu'il vous a donné. Question de ne pas l'offenser, je vous en prie. Question de ne pas l'offenser. Vous allez prendre ces plantes-là. Vous allez prendre ça avec les mains. C'est avec ça que vous allez vous frotter le corps. Ça va vous servir d'éponge, ces plantes magiques-là. Vous allez prendre ça, vous lavez, vous allez commencer par la tête. Après avoir remercié le Seigneur, vous allez commencer à dire, par ce bain magique, je retire tout ce qui est mauvais œil, tout ce qui est possession, tout ce qui est blocage, tout ce qui est... Vous commencez à parler tout ce que vous savez de votre cœur. J'enlève tout ce qui est mauvais esprit, possession. Vous enlevez, vous parlez, vous frottez le corps vous frottez tout le corps en parlant. Vous frottez votre corps, c'est-à-dire avec force. Faites-le avec force et rage. Mais quand je dis rage, ce n'est pas rage de fâcherie, mais rage que vous êtes contente, la rage d'être contente de faire ce bain-là, de retirer cette malédiction, de retirer ces mauvaises, de retirer ces blocages, ces jalousies, cette haine que vous avez sur vous-là. Retirez-le avec rage, vous lavez-la, vous dites... Si c'est fait par voie sexuelle, en lavant votre sexe, vous l'enlevez. Si c'est fait par quoi, par les hommes et les femmes de nous, là, vous l'enlevez. Si c'est fait par X, Y, vous l'enlevez. Si vous soupçonnez quelqu'un, je vais dire ça, je dis X ou Y. Vous l'enlevez et tout ça, là, si c'est fait par... Si ça vient du côté paternel ou maternel... Vous l'enlevez, je n'accuse pas vos parents, je n'accuse pas vos familiers. Je dis tout simplement, vous le faites comme si vous
faites votre beurre, vous enlevez votre gêne. Que ce dos-ci, ce beurre-ci apporte, il va avec tous ces mauvais aspects, tous ces mauvais deuils, tous ces blocages que ça apporte, toute cette jalousie-là. Et à la fin, remerciez votre bain. Dites merci à votre bain. Voilà, mes amours. N'hésitez pas de vider votre cœur pendant le bain. N'hésitez pas de bien parler, car votre rituel, c'est vous. Ton rituel, c'est toi. Bonne chance à tous. À très bientôt. Belle.